Remise en question, mais non, Nexa a fait une dépression. Et on voit des vidéos, nous. Oh, mollo mollo, les gars, mollo mollo. Vous avez vraiment cru que j'étais en dépression? Non, on se calme. Mais le titre est vraiment réel. J'ai eu une grosse remise en question. Et faut que je vous en parle aujourd'hui. C'est trop important. Déjà, yo les gens, c'est Nexa. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Fortnite Battle Royale. Mais ce qui va importer aujourd'hui, c'est surtout mes paroles. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande même pas de liker. Vous faites ce que vous voulez par rapport au pouce bleu. Juste restez jusqu'à la fin. Parce que comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas tenu mes promesses. Je vous avais promis une vidéo par jour. Elles sont où les une vidéo par jour? C'est quoi le délire? Donc si t'es un vrai Saiyan, si t'es un guerrier, reste jusqu'à la fin pour moi. Mais bon, on va se calmer. Oui, cette vidéo a un fond triste, mais je vais essayer de rajouter quand même mon petit humour, mon petit grain de sel tout au long de cette vidéo. En plus, on est bientôt niveau 100, à l'heure actuelle 95, et il y a des nouveaux skins. Regardez-moi ça, les gars. Le petit flamèche qui est pas mal. C'est pour fêter le nouvel an chinois, ça fait plaisir. Mais avant d'acheter, n'oubliez pas le code NEXTAS dans la boutique. Pour cela, c'est très très simple. En bas à droite, vous avez soutenir un créateur dans boutique d'objets. Vous appuyez dessus et vous mettez NEXTAS, majuscule ou minuscule, on s'en fout. Accepter. Et en haut à droite, ça vous mettra créateur soutenu NEXTAS. Bah oui, les gars, on part directement dans une vidéo qui a un fond triste, mais je dois plus mon code créateur. Nous devons gagner la guerre, mes Saiyan. Bref, j'arrête de parler, mais reste vraiment jusqu'à la fin. C'est le point le plus important dans cette vidéo. Je vais évoquer énormément de sujets et il y aura une explication par rapport à ça, par rapport à ma remise en question. Allez, let's go les gars, on est parti pour Retail Row. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à Retail, il y a juste deux personnes. Donc on va essayer de les rusher assez rapidement et de prendre les kills. Je vais même pas looter mon coffre, je vais aller prendre juste le space 12 là. Le mec est en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il a AFK ou quoi? Oh frérot, réveille-toi. Il est tout en haut les gars, je vais le faire tomber, allez tombe. Et salut. Salut, ça va ou quoi mon gars? Ok, on a directement le premier kill, on va rusher l'autre histoire de se mettre bien. Et du coup, on pourra parler du sujet. Coucou, ça va ou quoi? Coucou, ça va ou quoi? Let's go baby. Ok, on a chopé les deux kills du coup. On va se graille le petit slurp ici, on va faire le coffre. Et on pourra parler du coup de tout, parce qu'il y a trop de choses à dire. Déjà on va commencer par le commencement. Pourquoi il n'y a plus de une vidéo par jour sur la chaîne? Bien évidemment on va rusher aussi, on va rusher l'équipe toute la game. Alors faut savoir que ma chaîne a connu une énorme rotation en termes de vidéos. Peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais moi je l'ai marqué parce que les vidéos ont totalement changé du jour au lendemain. Laissez-moi vous expliquer. Vous vous rappelez, avant je faisais une vidéo par jour avec mon petit frère, mais c'était tout le temps vraiment, tous les jours je faisais mes vidéos avec mes petits frères, etc, etc. Et pour moi ça a été très compliqué, sans vous mentir, pour moi ça a été très compliqué parce que c'est totalement différent pour le coup. Je devais modifier les titres, le contenu, aussi la vidéo en elle-même, parce que c'est totalement différent. Quand tu passes de deux personnes à une personne, il faut vraiment que tu sois beaucoup plus imposant, que bah, y a que toi en fait qui peut gérer la vidéo. Ok, ça c'est à moi. Ça c'est à moi aussi. Ok. Ok, let's go, on a le kill. Et ouais, ça a été vraiment très compliqué de passer de ça du jour au lendemain. Et là, vous allez directement me dire, mais pourquoi Nexa t'as changé totalement ton contenu? Pourquoi tu te faisais plus des vidéos avec tes petits frères tous les jours, tous les jours, tous les jours? Il y a eu plusieurs points qui ont, bah, du coup, fait que ça soit comme ça à l'heure actuelle. Déjà, faut savoir que les une vidéo par jour avec mes petits frères, c'était pendant les grandes vacances. Ils n'avaient pas école, du coup, c'était beaucoup plus facile pour tout le monde. Et je pense que les critiques ont aussi rajouté son petit grain de sel, parce que voilà, les vidéos étaient archi aimées, on va pas se mentir, avec mon petit frère, mais elles étaient aussi détestées par beaucoup de personnes. Vidéo pour gamins, vidéo trop poussée, j'exploite mon petit frère, etc, etc. Je pense que ça m'avait vraiment saoulé. Mais en vrai de vrai, cette rotation au début ça a été difficile, mais après j'ai pris un pied fou à faire ce genre de vidéos. Les vidéos tout seul, franchement, ça m'a énormément plu, c'était totalement nouveau pour moi. Je me suis régalé sans vous mentir. Et il y a un mec là. Salut à toi, ça va ou quoi? Salut à toi aussi mon gars, let's go baby. On chope tous les kills là, on est le boss. Merci beaucoup pour la Scar Gold, merci beaucoup pour la MP5 bleue. On est pas mal dans cette game. Let's go le top 1, bah oui les gars, bien évidemment comme d'habitude. Mais par rapport à une vidéo par jour, j'aurais pu les faire en solo. Ce n'est pas à cause de la rotation des vidéos petit frère à solo, c'est par rapport au fait de devenir joueur pro sur Fortnite. Beaucoup d'entre vous vont rigoler, mais c'est vraiment le cas. Vous le savez très bien, je suis un grand compétiteur et je veux devenir de plus en plus fort sur tous les jeux auxquels je joue. Aïe aïe aïe. Wow. Ok, on a le kill. Attends, y'a encore un mec. Bon, je suis pas chaud, les gars. C'est ma première game. Hein. Oh, mais what? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Vous l'avez vu? Il est là-haut, il est sur l'arbre. Là, quoi il joue, lui? Oh, frérot, tu fais quoi? Allez, tombe de l'arbre, là, mon gars. Hop, voilà, fait une chute fatale. Meurs, merci beaucoup. Non, on s'en fout. Même si on n'a pas le kill, c'est pas grave. Je veux vraiment devenir plus fort sur tous les jeux auxquels je joue. Et ça a été le cas sur tous les jeux auxquels j'ai joué. Et ça, pour les personnes qui me suivent depuis Call of Duty, vous le savez déjà. J'ai fait des LAN, j'ai gagné des LAN. Voilà, je mets un petit passage là. C'est moi qui hurlais. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Ça a toujours été un objectif pour moi, devenir le meilleur. Et sur Fortnite, j'ai essayé de le devenir, parce qu'on va pas se mentir les gars, avant j'étais joueur PS4, voilà, je jouais sur tout simplement manette, et je suis passé sur clavier souris pour devenir de plus en plus fort. C'est le cas à l'heure actuelle, je pense que j'ai un très bon niveau sur le jeu, mais je me suis fixé un objectif encore plus hardcore. Le fait de devenir joueur pro, de participer, pourquoi pas un skirmish prochainement, etc, etc. Et il m'a mis une grosse balle. Oh là là, le RPG les gars, ça fait chier ça. Les gars, il y a un problème là, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, il est là-bas, par contre je suis hyper lourd mec, attends, je vais décaler. Vous savez quoi, on va se caler là, tranquillement, on va prendre le petit feu de camp. Et en fait la route pour devenir joueur pro me demande trop de sacrifices, ça me demande trop de sacrifices. C'est vrai que pour une personne qui n'a pas forcément une communauté sur YouTube, pour une personne qui n'a pas forcément de responsabilité, ça peut être possible. Mais moi les gars, je pense que c'est impossible. À l'heure actuelle j'ai trop de responsabilités à gérer, j'ai ma chaîne YouTube à gérer, j'ai mon entreprise à faire tourner. Parce que oui, ma chaîne YouTube c'est mon entreprise, je suis patron les gars, oui à 19 ans. Et j'ai été patron à 17 ans. Et cette route n'est pas la bonne pour moi. Elle n'est pas la bonne pour moi du tout. Je ne peux pas me permettre de tout perdre alors que j'ai tout réussi en une année de YouTube. Je ne peux pas. Et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Il m'a fallu vraiment du temps. Il m'a fallu plus d'un mois, les gars. Plus d'un mois pour le comprendre. Par contre, arrête de me jouer, s'il te plaît. Laisse-moi pas la popo, frérot. Eh, mais il y a du monde là. Il y a deux personnes. Putain, mais mec. On va finir la partie. Je pense qu'on va en relancer une autre, les gars. Vous inquiétez pas. On va en relancer une autre. Ok, grosse balle. Aïe, aïe, aïe. Attends, je vais descendre. Mec, c'est très compliqué là. Ciao. Non, ciao. Non, leave me. Frérot, leave me. Waouh. Mais c'est une blague. J'ai plus de build. J'ai plus de build. Je suis mort, gros. Toi, je lui mets une grosse balle. Oh, oh, oh. Ok, attends. Il y a moyen. Attends. Ok. J'avais plus rien, putain. Plus de build. Au final, je vais pas relancer le game pour être plus clair et précis dans ce que je dis. Comme ça, vous comprendrez bien mieux. Mais on finit la vidéo avec un gameplay top 2. Je suis dégoûté, les gars. Par contre, ça, je suis deg. Du coup, comme je l'ai expliqué, cette remise en question, c'est surtout basé sur le fait de devenir joueur pro. Sur le fait qu'il y avait trop de sacrifices. J'ai tout à perdre. Et moi, jeune inconscient que je suis, ben oui, la nostalgie qui revient, les gars. Les LAN qui me remontent à la tête. Je me dis, voilà, j'ai un bon niveau sur le jeu. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que j'ai des responsabilités. Mais je pense aussi qu'il n'y avait pas que ça. Je voulais peut-être montrer aux personnes qui connaissaient Nextase comme vidéo avec ses petits frères, vidéo putaclic, cancer, que j'avais un très bon niveau sur le jeu et que je pouvais me démarquer. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, j'ai ma communauté, vous êtes mes putains de Saiyans, les gars, mes guerriers. Et j'ai été vraiment con sur le coup, j'ai sacrifié des journées de vidéos, des fois des 3 jours de vidéos pour au final quoi, faire des tournois où ça m'a rien apporté. J'ai ma communauté qui aime mes vidéos, qui m'aime moi, qui aime toute ma famille, mes petits frères, etc, etc. Et moi, je cherche à plaire à des personnes qui ne m'aiment pas. Je suis débile en fait. Et ça, c'est même pas un point important, c'est surtout sur le fait de faire des sacrifices. Je ne peux pas me permettre en fait. Et c'est vrai, pendant ce dernier mois, j'étais perdu, vraiment perdu. Je ne savais pas quoi faire. Si je continuais du coup à être sur la route du devenir joueur pro, si je continuais mes vidéos, si je refaisais mes vidéos avec mes frères, je ne savais plus quoi faire, j'étais perdu. Et du coup, à cause de ça, du fait que je sois perdu, du fait que je fasse des sacrifices par rapport aux vidéos, ben, je déçois tout le monde. Je déçois tout le monde, on va pas se mentir. Je vous ai promis une vidéo par jour pour qu'au final, je tienne même pas ma parole, alors que les une vidéo par jour, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'ai toujours fait depuis plus de 2 ans maintenant. Donc au final, l'année 2019 a mal commencé entre guillemets, parce que voilà, c'est pas forcément gravissime, mais ça me fait chier pour vous parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sortent de cours, qui veulent voir mes vidéos. Voilà, tu sors de cours, t'as la petite vidéo de Nextase, t'es content, ça fait plaisir, c'est ton petit kiff de la journée, on va pas se mentir, même avec d'autres youtubeurs, parce que moi à côté de vous c'est de la rigolade. Vous allez travailler tous les jours à l'école, au collège, au lycée, ou même peut-être certains qui vont travailler pour payer leur appartement ou quoi que ce soit d'autre. Et t'as moi où je suis patron de moi-même, où je peux faire ce que je veux, où je peux faire tous les projets que je veux, où je peux me lever à l'heure que je veux. Mais il faut que je ponde ma vidéo, une vidéo par jour. Pour en conclure, je suis vraiment désolé de vous avoir déçu, mais au final, cette remise en question m'a fait du bien. Elle m'a fait prendre conscience, tout simplement, que je ne pouvais pas me permettre de faire des sacrifices. J'ai trop perdu. Donc à partir d'aujourd'hui, les gars, je peux vous affirmer que c'est le retour du sale sur la chaîne YouTube. Une vidéo par jour, des vidéos de malade où vous allez vous régaler. Quand vous sortez de l'école, bim, vidéo de Nextase, ça va être
comme avant. Et j'ai vraiment hâte que ça commence. Et ça commence aujourd'hui. Mais quand je dis du sale, tu vas directement dire: ouais mais Nexta, tu vas faire comme avant. Là les gars, je peux vous affirmer qu'on va reniquer le YouTube Game le million, mon gars. Mais en plus, il n'y a pas que ça, parce que oui, il y a énormément de projets hors vidéo qui vont arriver très prochainement. Je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais j'ai vraiment hâte de lancer le projet. Ça va être trop bien. Moi, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Je vous ai tout dit par rapport à cette remise en question que j'ai eue durant ce mois pour devenir joueur pro sur Fortnite Battle Royale, alors que je suis déjà youtubeur et que j'ai une communauté qui m'aime pour moi et pas pour mon niveau. Et ça, c'est bien, parce que si un jour Fortnite meurt, vous serez toujours là pour moi et pour ma famille. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. On commence un nouveau cycle sur la chaîne YouTube, un cycle sale en route pour le million d'abonnés. N'oubliez pas de laisser votre petit pouce bleu si cette vidéo à cœur ouvert vous a plu, si vous avez compris réellement le message et que vous êtes content par rapport aux annonces que je vous ai faites aujourd'hui. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si c'est pas encore fait. On arrive avec du lourd prochainement. C'était Nextaz, à demain, je vous aime mes Saiyans. Peace.